Je me disais bien que cela se terminerait, ce vent et ce froid. Avant-hier, attestation en poche, on a fait le tour de la ville et des remparts, en brave sentinelle. Nous n'avons vu personne. On est rentré gelé. C'est un moyen comme un autre de se réjouir du retour à l'enfermement. Heureusement, cet après-midi, le soleil nous a conduits sur un petit chemin que nous avions oublié. Nous y avons croisé un ami affairé à planter des bulbes et retourner la terre tout en bottes et sueur dans son jardin. Plus loin, nos pas se sont allongés comme s'il y avait urgence à respirer à fond, urgence à s'épuiser. Un pic toque au tronc d'un grand arbre. Le sol est dur. Le chemin s'élève doucement. La route n'est pas loin, mais elle reste silencieuse. Nous reviendrons et nous marcherons encore plus vite pour voir derrière cet arbre là-bas ce qui se cache. Au retour, le soleil éblouit un peu, mais le chemin se fait docile et nous ne trébuchons pas. Décidément, les mots ont pris de la densité ces derniers temps, les mots et les regards. Même les plus simples, les plus ordinaires, se sont faits beaux. Les yeux croisés ne fuient plus, ils se cherchent. Ils disent quelque chose comme « Nous n'avons rien à nous dire, nous ne nous connaissons pas. » Mais quand même, c'est bon de se voir. »